Monsieur, dame, Top Jingle. Je comprends pas. J'ai pas de portable. Le Kikadi du Super Moscato Show. Eric s'est levé pour aller faire les poches de Vincent pour vérifier qu'il n'avait pas son portable sous les yeux. Il l'a trouvé, donc comme ça, c'est clair. J'ai dans les mains, alors j'ai dans la main gauche le portable de Denis Charvet. Ouais. D'ailleurs, il y a un message d'une certaine Sandy, je sais pas, c'est bizarre, Denis. Ouais, bien sûr, c'est moderne. Sandy comme. Sandy comme Sandy. Et puis, j'ai, dans la même robe, j'ai le portable d'Eric Dimeco et il y a des messages. Mais vas-y, dis tu sais quoi, tu sais quoi, un jour, tu sais ce qu'on devrait faire. Oui. Comme dans le film, là, tu sais, crac, on met tous les portables comme ça. Comme à la Maison Blanche. Et on s'amuse à lire les textos des autres. Ah ouais, t'as trouvé que ça, toi. Et on lit à l'antenne les textos qu'on reçoit. Moi, je dirais, c'est Capiro, il va recevoir des textos de Francis ou des trucs comme ça. Pierrot, il n'y a aucun souci, ce sera juste un jour le 12 à Vincennes. Je te rappelle, Vincent, que tu nous dis régulièrement, tu commences des phrases en disant « J'ai vu mon copain à la salle de muscu, donc s'il te plaît, pas de raisonnement sur moi. Hein. » Voilà. Stéphane et Hélène. Tu comme ça, toi, du vivre. Stéphane et Hélène, vous affrontez pour un superbe week-end Stéphane en Alsace. Stéphane et Hélène. Bonjour messieurs. Ouais. Bonjour tout le monde. Ouais. C'est Stéphane qui choisit Moscato ou Dimeco. Ah, cette fois-ci je vais rejouer avec Eric, mais la dernière fois j'ai perdu, j'espère qu'on fera mieux. Ah, t'as pas compris. Là aujourd'hui, contre les cerveaux, tu prends pas beaucoup de risques. Hein. Alors les équipes Stéphane, Dorian, Dimeco contre Hélène, Moscato, Charvet, c'est parti. 9 minutes de Kikadi. Peut-être une golden carotte, elle n'est toujours pas tombée. Nous sommes mercredi, Vincent. Plein milieu de semaine, ouais. Pourquoi pas. Qui est en tête du championnat de France de Pro D2 en rugby? Montpellier. Comment? Non. Grenoble. Étonnant. Nevers. Nevers. Oui, ah oui, Nevers. Dans la Nièvre. Nevers. Nevers, je l'avais vu, ils étaient avec Biarritz. Il y a Biarritz aussi. Non, Biarritz, ils sont loin derrière. Ils sont loin derrière. À un moment donné, il n'a pas sorti le portable. Je te le sors en deux secondes, mon poulet. Pas Nevers, quand même. Nevers. Je parle pas de ça. Tu as le regard fuyant, ça m'inquiète. À quelle heure tu l'as vu? C'est-à-dire que ça change tellement vite. Non, je l'avais vu envers un milieu olympique. Alors, 1-0 pour Hélène. Denis, on reçoit un texto de Jean-Paul, un ami de Denis Charvet. Bravo Jean-Paul, qui a répondu Bayonne, voilà. Oui, bravo Jean-Paul. Mais Jean-Paul, arrête, Jean-Paul nous a envoyé texto. Non mais vas-y Jean-Paul, envoie texto. Mais comme ça, c'est toi. Par contre, je sais comment Vincent joue, donc il a son téléphone branché avec deux électrodes sur les roues et il reçoit les réponses en morse. Il aura envie que le Kikadi dure une heure aujourd'hui, Vincent. Jean-Paul, vas-y, dis-moi. J'ai pas le portable. Deuxième question du jour. Est-ce que moi je reçois des textos? Oui, oui, oui. Arrête, toi, t'as moi et ta fille. Pas de oui, moi. Elle est en stage, elle nous a brûlé. Tu reçois des textos, mais comme nous sommes à la radio et la télévision, je peux pas les lire, Eric. Le 26 novembre dernier, le 26 novembre, il y a quelques dis-moi. Jours, quel coach en foot est devenu champion du Brésil en championnat? Scolari. Scolari. Tu l'as dit l'autre jour. Scolari, avec Palmeiras, 70 ans, Scolari. Mais hier, tu l'as dit parce que tu avais reçu un texto. Mais non, un texto, tu peux pas le dire. Plus, tu sais plus qui c'est. Tu sais plus qui c'est depuis hier. Donc arrête. C'est incroyable. J'allais le dire, je te jure, j'allais dire Scolari. Scolari, Vincent, 70 ans, doyen entraîneur du championnat brésilien. Champion du monde avec le Brésil. Avec le. Il a été champion du monde avec Ronaldo. Oui, en 2002. Ouais, 2002. Avec sa moustache. Ronaldo. C'est gros, c'est le gros mec là. Mmh. Ouais. Oh, bien important, mais gros combat de rien quoi. Tête de vieille. Depuis qu'il a 40 ans, il a une tête de vieille, Scolari. On dit de lui que c'est un entraîneur très psychologue, Vincent. Ah, psychologue, ouais, d'accord. Ouais, voilà, au foot, il y a un mec qui fait sujet, verbe, complément, c'est un psychologue. Allez, vas-y. Dans quel pays? L'égalité un partout. Dans quel pays est né le sportif qui s'appelle Brésil. Andrés Zafra? Portugal. Colombie. Colombie. Ah, oui, c'est Colombie. Oh. Oui, bien sûr, c'est celui qui a marqué l'essai. Seconde lignage. Rugby. Ah ouais. Bravo, Pierrot. On a parlé de lui hier. Calme-toi, mon. Mais l'autre, quand il a 10 000, il a poussé mais là, je l'avais. Toi, je l'avais. Mais arrête-toi. Moi aussi, je l'avais, mais il me fallait 2 minutes. Putain, Pierrot, tu fais chier, quoi, Pierrot. Peut-être. Mais le Scolari et Colombie, c'était les deux points pour Vincent. Scolari, c'était deux. Scolari, Andrés, que c'est moi qui l'ai dit. Le premier joueur de l'histoire du rugby qui a marqué. Un Colombien qui a marqué l'essai en top 14. Il a je l'ai pas dit parce non, que il a raison, l'autre il m'a devancé. Il a raison, 3-0 pour Vincent, franchement, parce que il le savait d'hier, la réponse d'hier, et puis hier il avait dit que c'était lui qui avait. C'est 2-1 quoi, Eric? Pour Stéphane Dimeco d'Orient. Qui a dit, figurez-vous que moi je suis très content de la signature de Nicolas. Scolari. C'est un super joueur, c'est sauf que meilleur. On sera 3 pour 2 places. Plisson. Jules Plisson.
Ouais, il parle de l'arrivée de... Je suis pas du tout, moi. Ah, tu nous emmerdes, Denis. Moi, je veux bien, moi, à un moment donné. Mais l'autre, quand il nous fait de tout, d'abord... Pour vous, c'est le fait de tout, l'autre, là. Ça, c'est 3 points pour vous, hein. Ouais, oui, vrai, j'ai très peur parce que généralement c'est assez équilibré. Non, là c'est 4 à 0 pour vous du coup parce que ça là vous l'aviez aussi. Donc, 3, 1. Jules Plisson, ouvreur du Stade Français qui réagit à la signature de Nicolas Sanchez, l'arrivée d'Argentin. 3 ouvreurs à Paris. Mais Stein, il est pas Sanchez, Sanchez ouais. Plisson. Ouais, 30 ans Nicolas Sanchez, il est pas mal. 3-1 pour Stéphane Dimeco d'Orient. Mon pote il ouvre le son des guitares là, il a besoin de quelqu'un qui donne ouvreur à la porte. Peut-être qu'il peut servir, non? Je déclenche. Est-ce que tu acceptes un face à Moscato, Eric Dimeco? Moscato Dimeco. Dans le dos. C'est un honneur pour lui de la culture du sport. Hein. On parle de quelqu'un qui est une légende. En NBA, comment s'appelle le nom de famille suffit. Comment s'appelle l'entraîneur de San Antonio? Ben oui, comment il s'appelle de San Antonio? Popovic. Popovic, je l'ai dit avant. Vincent. Greg Popovic. Je l'ai dit avant. Vincent, mais non, c'est moi qui l'ai dit. Vous déconnez pas un peu, je l'ai dit avant. Chaque fois qu'il y a une tête à tête, quand il me l'a dit. Je l'ai dit avant. Popovic. J'étais là, j'ai dit avant que lui. J'ai déclenché la VAR. La VAR. Et je l'ai dit avant lui. Arrêtez-vous. J'ai l'arbitrage en régie. Chaque fois, j'ai trouvé un truc, tu m'as dit que tu l'as dit avant. Mais là, c'est vrai. Lui, il regardait que lui. On me dit. Il buvait ses paroles. Je le dis avant. On me dit dans l'oreillette que c'est Vincent Moscato qui est devant. L'autre, il mange tous les soirs et tous les midis. Il mange grâce à Vincent. Tu sais bien qu'il va pas dire que c'est moi. C'est 3-2. D'ailleurs, je le soupçonne même de mettre au fond grâce à Vincent. Donc, il va penser bien qu'il va pas me donner les points. À couper la main de celui qui le dit. Bien sûr. Question auditeur. 3-2 pour Stéphane Dimeco d'Orient. Mon Fredou. Stéphane et Hélène, à vous. Stéphane et Hélène, contre quelle équipe Vincent Moscato a joué son dernier match avec le 15 de France? Angleterre. Angleterre. Stéphane. C'est trop loin, Stéphane. Non, putain, bonne réponse de Stéphane. 4-2. C'était un complot d'ailleurs. On en parle. C'était en février 1992. On va faire un débat d'ailleurs, Vincent, Moscato Show. Ouais. Après, c'est un complot. Ouais, après, c'est un complot, t'as pas supporté la pression, C'est toi qui me disais ça. C'était un complot parce que j'étais. Voilà. Ouais. Et heureusement ce jour-là que j'étais la main de Lady Di. Et Pierrot, Vincent, carte rouge ce jour-là. Carte rouge pour Vincent et Pierrot. Tu me disais heureusement que ce jour-là Philippe Saint-André a retenu Vincent, ouais. Sinon il aurait tapé l'arbitre. Voilà. Question auditeur, la deuxième du jour. 4-2 pour Stéphane Dimeco d'Orient. Je suis supporté des commentaires de Stéphane et Hélène, à vous encore. Stéphane et Hélène, on va voir si vous êtes de fidèles auditeurs de RMC. Allez, les garçons, allez, Hélène. Comment s'appelle le présentateur historique, le fondateur de l'After sur RMC? Gilbert Bribois, Hélène. Bravo, Bribois, Gilbert. Bravo, Hélène. Stéphane a sorti Jean-Jacques Bourdin. Hélène, quand même. Bon, c'est pas grave. Et il y a une chanson qui s'appelle Hélène. Non, oui, Rock Voisine. Hélène, Rock Voisine, ouais. C'est bon, super. Hélène, moi j'adorais Rock Voisine. C'est sûr, quand on aime Gold, on aime Rock Voisine. T'as vu ça, qu'il nous prend pour des bouseux, ce con. Non, mais arrête, oui, on aime les Gold, oui. Et oui, arrête. Non, mais toi, tu sais que t'aimes pas les Chevaliers du Fiel, t'aimes pas Bosso, t'aimes pas Nougaro. Pas de Sébastien. Avec Cassar, il supportait pas Nougaro, je me souviens. C'était une pompe parce qu'il était de Toulouse. Ils sont du 9e, du haut du 9e. Bravo. 4-3. Toi aussi, t'as pas le permis, tu roules en bicyclette. Et Dorian, j'ai le permis, mais je n'utilise pas ma voiture. 17h51, il reste 2 minutes 20. T'as les moyens d'acheter un scooter en plus de ta voiture. 2 minutes 20 et une éventuelle Golden Carotte. Capitaliste. Qui a dit? C'est qu'en plus, j'ai acheté les aides sociales grâce à tes impôts. Allez, jouer avec la peur, c'est la pire des choses. Jouer avec la peur, la pire des choses. Qui? Enzeminko. Non. La Kramer. Le problème, il est patron d'une équipe Henry. Qui a malheureusement gêné la 11 défaites consécutives. Ah mais c'est Medef. C'est Labit. Lanta. C'est moi qui lui ai donné. Christian Lanta, directeur sportif de l'USAP Perpignan. C'est moi qui lui ai donné. J'ai dit Perpignan, mais je le connais pas. Je l'ai vu. Et là, c'est avec tes impôts la réponse, là, Pierrot. Mais c'est moi qui lui donne. Sinon, il ne trouve jamais. Si je dis pas Perpignan, il cherche qui c'est Capéon. Alors que moi, je ne le connais pas. C'est le percepteur qui lui a donné, ça là ou quoi? Croyez-le si vous voulez, mais à 1 minute 30 de la fin, le score est de 4 partout. Et ben, il y a la gueule de carotte. Et là, je ne plaisante pas, à l'instant, il y a Jean-Paul, l'ami de Denis, qui va envoyer. Popovic, à l'instant. Il est au Kenya. En décathlon, les amis. En décathlon, Kevin Mayer est record du monde. Kipchoge.
Non, 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 c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais c'était qui avant lui? Ashton Eaton. Oh, merde, oh, c'est trop facile pour lui. Ashton Eaton, quoi. Ah ouais, non, mais là, quoi, on est visé. Non, mais on est visé, là. C'est un complot. Là, c'est un vrai complot. Non, mais là, c'est un vrai complot. Et c'est l'autre qui commente. C'est comme ça. C'est un vrai complot. Si c'est facile, dis-le, quoi. Non, mais ça se trouve. Parce que tu sais quoi? Parce qu'ils sont journalistes tous les deux, ils s'arrangent. Voilà. C'est trop facile. 5-4, 40 secondes. 5-4, 40 secondes. En handball, qui est le sélectionneur du Gabon? Richardson. Jackson Richardson. Bien. Alors là, Denis, écoute-moi. Et tu sais pourquoi il a dit ça? Parce que Richardson est noir. Pam, Gabon. Hop, de suite. On l'embrasse. Égalité. Égalité pour le moment. Il est 17h53. Pas de regret, les amis, puisque la Golden Carotte, c'était pas aujourd'hui. C'était pas aujourd'hui. Ah, donc on a gagné. Balle de match. Non, on a gagné. Balle de match, les amis. Téléphone. Il n'y avait que des questions pour eux. C'est une Golden Carotte. Téléphone. C'est le balle de match, en fait, finalement. Range le téléphone. BFM TV. J'écoute le téléphone. Ah, mais il y a le plus droit, viens! Ici, toi. Toi, je te laisse pas tricher. Ah, non, je te laisse 17h54, c'est une balle de match. Toi, BFM. C'est le but en or, attention. Allez, Eric. Quelle star américaine, âgée de 57 ans, est devenue Magic Johnson aujourd'hui papa pour la 10e fois? Oh là là. Format. 10 enfants. C'est 57 ans? Jordan. Non, une star américaine, c'est une BFM TV, du cinéma, les amis. Ah, du cinéma Brad Pitt, de Niro. Al Pacino. Oui. Non, pas Woody Allen, il n'y a pas 57 ans. Alors, je vais essayer de l'imiter, ça va être mauvais, mais ça va vous donner un Murphy. Eddie Murphy. Oui. Eddie Murphy. Oui. Mais c'est incroyable. La balle de match. Du Murphy, non, mais bravo, Vincent. Ouais, du Murphy. Voilà, c'est comme ça. Bravo, Vincent. C'est fait. Ça, c'est fait. Pour Hélène. Bravo, Hélène. Tu gagnes ce week-end, ce magnifique week-end pour deux personnes en Alsace.